अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 10, ज्वालामुखी योग तपस्या द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन करो। आज का टॉपिक है याद की लिंक, अव्यक्त इशारे, शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेंगी जब याद का लिंक सदा जुटा रहेगा। अगर बार बार लिंक टूटता है तो उसे जोड़ने में समय भी लगता, मेहनत भी लगती और शक्तिशाली के बजाय कमज़ोर हो जाते हो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। आज पापा हमें होमवर्क दे रहे हैं, निरंतर याद का लिंक रहे, लिंक टूटे नहीं। संभव है, हो रहा है, होना चाहिए, तो विधि क्या है। बात तो बहुत अच्छी है कि अगर एक धागा है या एक तार है वो बार बार टूटती रहे, टूटी हुई है कई जगह से, सुख बने रहे कि दिन भर हम सुखी रहते हैं आपकी कृपा से। Baba nous donne du bonheur pendant toute la journée. Et le bonheur qui est là, c'est avec la relation de la mère et du père que l'âme reçoit beaucoup de bonheur. कि वो किसी और टीचर के पास tant d'amour avec le père, स्कूल में पढ़ो और खुद ही यूनिवर्सिटी खोल दी और खुद ही उसमें। Il ne vous dit pas d'aller dans une école pour étudier, il ouvre lui-même une université et il vous enseigne. आप सोचो कॉम्बिनेशन, c'est le professeur suprême. Pensez à la connexion du professeur et du professeur. À l'école, le professeur enseigne. Ils disent tant de choses. Ils disent que vos parents sont responsables, que les parents aident à faire les devoirs. Et les parents pensent que ce sont les professeurs qui devraient enseigner cela. Nous sommes si fortunés que le père et le professeur soient le même. Et si vous voulez expérimenter ces relations avec Baba, lorsque vous écoutez le Murli très attentivement, vous allez voir que le professeur explique comme le père, comme un père. Le professeur donne des enseignements comme un père, ou est-ce le père qui enseigne comme un professeur? Portez attention demain au Murli. De quelle façon le père enseigne sous la forme d'un professeur et que le professeur enseigne sous la forme d'un père? Donc, lorsque les enfants sont jeunes, ils ont un gourou pour avoir une longue vie. Mais ici, il nous enseigne à chaque pas, il nous rend digne.
Et nous sommes libérés, libérés dans la vie de plusieurs façons. Les trois relations sont là. Le père, le professeur et le Sadhguru. Il y a aussi d'autres relations. Si vous voulez régler vos comptes, alors quelquefois vous pouvez consulter un avocat. Non. Il dit, viens me voir. Et avec honnêteté, vous lui remettez vos comptes. Et vous le faites chaque jour pour vraiment nettoyer vos comptes. Chaque jour, le soir, la nuit, asseyez-vous devant Dharamraj. Il y a des erreurs que nous faisons, petites ou grandes. Donc, si vous avez été un peu en colère ou vous avez parlé trop fermement ou autre chose, ou que vous avez dit quelques mensonges. Quelque part, vous étiez peut-être égoïste. Donc, des petites erreurs que nous faisons pendant toute la journée. Quelquefois, nous avons des sentiments envers quelqu'un, d'autres fois, nous n'avons aucun sentiment. De toute façon, Baba, nous lui donnons notre charte et pendant la journée, nous l'utilisons comme étant notre ami. Quelles que soient les acquisitions que vous avez besoin, ayez vos relations avec Baba. Donc, nous nous levons à 4h15. Nous faisons la mérite vela. Quelquefois, nous nous levons à 3h et nous tombons endormis, mais si nous gardons notre horaire, donc je me lève à 2h30, 3h15, je m'assois, j'écoute le murli. Donc, parce que 5h, tout le monde écoute le murli, c'est la famille. Et à 6h, la classe des jeunes débute. Ensuite, le murli à 7h. Et partout, il y a le trafic contrôle au milieu du murli. Elle avait eu cette pensée très élevée lorsque le Shantivan a été établi. Alors, à chaque heure, trois minutes afin que le contact soit là. Avant, il y avait 5 trafic contrôles par jour, il y avait une grande distance, mais maintenant, c'est à chaque heure. Donc, à 10h, nous devons aller se reposer et nous nous levons tôt le matin. Donc, avec ce contact, vous allez expérimenter les relations. Et donc, nous suivons cette discipline et le lien est toujours branché. Lorsqu'il y a trop de temps entre les périodes, nous brisons le lien. Demain, je vais vérifier si mon lien de souvenir était là, était présent. Vous pouvez avoir un souvenir puissant lorsque le lien est toujours connecté. Si le lien se brise continuellement, c'est vraiment difficile de toujours le reprendre, le reconnecter. Ça prend du temps.
Donc, lorsqu'il y a un fil et qu'il y a plusieurs nœuds, donc ça prend du temps. Il faut aussi, et cela demande des efforts, mais si le lien s'interrompt sans cesse alors qu'il faut du temps pour le reconnecter, cela demande des efforts, si bien qu'au lieu d'être puissant, on devient faible. La connexion est là. Baba dit, c'est l'interrupteur de la conscience. Quelquefois, c'est fermé. Il y a plusieurs choses et l'interrupteur devrait toujours être allumé. À Peace Village, ils mettent une petite étiquette sur l'interrupteur et disent ne l'enlevez pas. Intérieurement, la conscience de l'interrupteur est là. Gardez cela. C'est un point. Donc, vous vous souvenez d'un point de connaissance, vous vous souvenez de Baba. Et avec cette conscience, l'interrupteur est allumé. Et vous allez devenir puissant aussi, Baba dit. Vous serez léger et puissant. Vous aurez la légèreté, la puissance. Alors demain, c'est le lien du souvenir. Le lien ne devrait pas se briser, il devrait être connecté tout le temps. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. La révision du mur Léaviac depuis 1971, parlant au cœur d'un ange. Avec le mur Léaviac du 8 de juin 1971, trois choses sont nécessaires dans la vie. La nourriture, le bonheur et les trésors. Trois choses sont essentielles dans la vie. De quoi s'agit-il? Que ce soit dans la vie lokique ou dans la vie alokique, trois choses sont essentielles pour les deux vies. Quelles sont-elles? Premièrement, vous avez besoin de nourriture. Deuxièmement, de bonheur. Et troisièmement, de trésor. Ces trois choses sont essentielles. Rien n'est possible sans le trésor. La vie n'est pas une vie sans le bonheur. Et la nourriture est également essentielle. Ces trois choses sont donc essentielles ici aussi. Comment appelez-vous la nourriture? Le bonheur est celui de la réalisation. Mais quelle est la nourriture et quels sont les trésors? Les trésors sont ceux de la connaissance et la nourriture est le pouvoir avec lequel le soi est rempli par le souvenir. La nourriture est l'énergie nécessaire à la vie. Avez-vous atteint les trois objectifs ou êtes-vous encore en train de les atteindre? Vous avez également reçu les trésors complets, n'est-ce pas? Vous avez reçu la nourriture et vous êtes heureux de toute façon. Vous avez reçu des trésors illimités, n'est-ce pas, Acha? Si vous deviez parler à quelqu'un des trésors illimités que vous avez reçus, de quelle manière les compteriez-vous? Si vous en parliez à d'autres, faites-le de manière à ce que tous les trésors soient facilement inclus.
fusionner l'océan dans l'urne et montrez-leur. Vous leur parlez des trésors que vous possédez en les comptant, 1, 2, 3, etc. Ici aussi, vous pouvez parler aux autres de tous les trésors en comptant jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Toutes les choses d'un seul sont incluses ensemble. Il n'y a qu'un seul père et une seule connaissance. Il y aurait tant de points à inclure si l'on ne parlait que d'une seule chose. Lorsque vous parlez de 2, il y a tant de points de 2. Si vous parlez de 3, il y a aussi beaucoup de points. Vous pouvez donc parler de la connaissance entière en 1, 2, 3, 4 et 5 points. Tout comme quelqu'un compte les trésors sur ses doigts, de la même manière, vous pouvez parler des trésors de la connaissance en comptant jusqu'à 5. Vous pouvez organiser un cours sur ce sujet. Voyez alors si tous les points sont inclus dans le compte jusqu'à 5. Vous devriez faire en sorte que le savoir devienne facile, que la connaissance devienne facile et que cette même connaissance devienne aussi divertissante. Parler de l'ensemble des connaissances en comptant jusqu'à 5. C'est aussi une méthode facile pour parler des trésors. Les petits-enfants apprennent également à compter. 1, 2, 3, etc. Parler donc de l'ensemble de la connaissance en comptant jusqu'à 5. Et plus vous parlerez des trésors, plus vous serez heureux. Et en brassant les trésors, vous atteignez automatiquement le niveau où vous êtes totalement perdu dans l'amour. Vous recevrez alors du bonheur et de la nourriture, et vous avez également conscience des trésors. Si vous êtes conscient de ces trois choses, on dit de cette vie qu'elle est la plus élevée qui soit. On va continuer ce mardi demain.